Et yo les gars, c'est Écrilio, on se retrouve pour un nouveau sur Avo Game sur le serveur IVMC. Et yo les gars, c'est Écrilio, on se retrouve pour un nouveau sur Avo Game sur le serveur IVMC. Et yo les gars, c'est Écrilio, on se trouve pour un nouveau SJS sur le serveur IVMC sur la map SJS7. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé, pour la simple et bonne raison que j'avais plus du tout envie de rec. D'accord, on s'est mis plutôt bien, même carrément bien. Hop. Donc j'ai aucune pitié parce que là je compte pas passer 1000 ans à rec, si vous voulez tout savoir. Hop. Je lui ai mis un gros ping hit là où c'est moi. Hop, d'accord. Lui, on va le tuer vite fait, bien fait. Voilà, d'accord, très bien. Donc, dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là pendant tout ce temps. Donc, c'est-à-dire pendant 4 mois, si je me trompe pas. J'en suis désolé, sincèrement. Enfin, je suis pas désolé dans le sens où je vous ai pas fait de vidéo pendant un moment et tout. Enfin, où j'ai arrêté de vous faire des vidéos. Parce que ça, en fait, je m'en fous, j'assume totalement. Je suis plutôt désolé du fait que je vous ai pas fait de vidéo pendant un moment et je vous ai pas prévenu. C'est plutôt ça, en fait. Si vous voulez tout savoir, le truc pour lequel je suis désolé. Tout simplement, j'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps parce que j'avais plus du tout envie. YouTube, ça m'a carrément passé comme c'était un passe-temps. Et j'ai plus du tout envie de faire des vidéos. Donc voilà, ça, c'est tout simplement la simple et bonne raison pour laquelle j'ai plus fait de vidéo. Parce qu'il y a un moment où j'étais clairement dans l'optique où je jouais énormément au PC. Mais maintenant cette passe de ma vie, on va dire, elle m'est un peu passée, elle m'est carrément passée même. C'est-à-dire que je joue beaucoup moins, je joue pratiquement plus. Je renie pas du tout cette période de ma vie parce que c'est... Je m'amusais beaucoup à ce moment-là. Il y a quelqu'un en haut. Parce que je m'amusais beaucoup à ce moment-là sur le PC. Mais je me plais plus du tout à faire des vidéos. Je me plais plus du tout sur Minecraft, je me plais plus du tout dans cet univers là, on va dire. Tout simplement, ça peut paraître bizarre à dire comme ça, mais voilà, ça me plaît plus du tout. Ça, Hive, ça a beaucoup changé ces derniers temps. Ça avait déjà commencé à changer, mais c'est de pire en pire. C'est maintenant, c'est 90% de, enfin peut-être pas, mais il y a peut-être 30% de hackers. Il y a beaucoup de mecs qui font des teams, etc. Moi, ça me désole beaucoup parce que Hive, c'était mon serveur préféré. Et c'est en train de partir totalement en vibrine. Alors, cette vidéo, je vous le dis, elle est pas du tout préparée. Hein. Il n'y a pas du tout de plan de vidéo, etc. C'est une vidéo que je vous fais vraiment, où je vous parle avec le cœur. Parce que je voulais vous prévenir, vous tenir au courant pour pas que vous attendiez peut-être un retour de Vécrilly. Alors oui, là, c'est peut-être un pseudo-retour. Mais c'est un retour pour une vidéo. C'est-à-dire que j'arrête maintenant. Enfin... Je vais pas fermer ma chaîne et je vous demande de pas vous désabonner parce que ça coûte rien. Mais à partir de maintenant, je vais plus faire de vidéos. Voilà pourquoi il s'est changé. C'est ça qui est chiant. Voilà. Ça va, je gère à peu près sur cette game. Donc voilà, ça m'a totalement saoulé. Hive, c'est devenu un serveur de hacker principalement. Un serveur de hacker et de team. Et ça me désole beaucoup parce que c'est un serveur qui me plaisait beaucoup. Mais maintenant, j'ai plus aucun plaisir à jouer sur ce serveur. Là, je me force carrément parce qu'il faut que je fasse cette vidéo. Mais ouais, c'est... Franchement, j'ai plus aucun plaisir à jouer. De toute façon, dans tous les cas, même sans Hive, j'ai plus aucun plaisir à jouer parce que j'ai totalement changé de mentalité. Maintenant, je suis plutôt dans une optique de sortir avec des potes, etc. Enfin, plus du tout dans une optique où je vais faire des
des vidéos, rester des soirées entières sur le PC, etc. Je préfère largement passer un samedi soir avec des potes en soirée que passer un samedi soir sur le PC avec, avec des potes in-game. Alors je dis pas du tout que... Voilà, comme je vous l'ai dit, je la renie pas du tout cette étape de ma vie parce que je me suis beaucoup plu à faire ça, j'ai fait des très très belles rencontres. Très très belles rencontres qui maintenant sont devenues presque des rencontres des potes IRL également. Je les vois pas, mais je leur Victor par exemple, enfin Zelef, c'est devenu un très bon pote avec lequel je parle sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, enfin on a totalement changé de rapport, on va dire. Pareil pour Calvin. Calvin c'est Sterelix. Voilà, tous ces potes là de toute façon qui eux aussi ont abandonné cet univers. Mais on continue à se parler, on reste en contact, on rigole ensemble et on est toujours potes. Mais il n'y a plus du tout cette passion pour YouTube, pour MC, il n'y a plus du tout cette passion pour ce genre de trucs. Merde, je sais même plus où elle est la table d'enchant. Ah mais elle est là. Elle est... Non, elle est pas là-bas. Je sais plus du tout. C'est ouf. Attendez, waouh. De toute façon, j'aurais pas le temps d'y aller, mais... J'ai totalement oublié où aller. Bon bref, c'est pas très grave. Dans tous les cas, voilà, on fait plus du tout partie de cet univers. On fait plus du tout partie de cet univers de joueurs PC. Moi, personnellement, maintenant, voilà, je suis un mec qui sort avec ses potes, qui prend beaucoup plus de plaisir à... Voilà. Voilà pourquoi je déteste cet univers. Alors, je vais même pas rager et je vais vous le plot cette game parce que... C'est une des seules games potables que j'ai réussi à rec cet après-midi, ça fait 4 games que j'essaye de rec. Et j'ai plus du tout envie d'essayer parce que je tombe que sur des hackers. Donc je vous dis bye tout le monde. Peut-être un retour dans longtemps. Peut-être pas, sûrement pas. Vous désabonnez pas. Je vous aime parce que vous m'avez fait très plaisir en me faisant vivre des trucs sur YouTube comme ça que je m'attendais pas à vivre au début, je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés même si c'est un petit chiffre, c'est déjà très bien, j'ai une bonne communauté. Donc je vous dis bye et voilà, c'est la fin. Allez, ciao tout le monde, c'était Vécredit.